Il a eu les potes. Il a une cartouche énorme, j'ai pas pu le fumer les gars. Non, je vais choper quand je verrai là. Ouais, je vais fumer. Empêche là, ça y est. Oh la tête, il a mis. Elle vient de récupérer cette canne. Oh, je sais pas toi, mais il fait chaud déjà de bon matin. Donc là, on t'amène dans un endroit que t'as déjà vu. Et tu vois un endroit qui est assez stylé. Moi, je kiffe ici. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui est un petit peu renfermée, tu vois, derrière moi. Voilà, il y a une zone de passage avec beaucoup d'algues. Il y a très peu d'eau. Et finalement, il y a très peu de bateaux qui peuvent venir là. Il y a une mise à l'eau qui est un peu plus haut, mais qui est assez bloquée. Puisque voilà, ce passage-là ne peut pas se faire. Donc du coup, ça nous laisse là un spot, tu vois, encore un petit peu sauvage. Et c'est pour ça que je kiffe cet endroit-là. Coucou. Madame est là. Donc voilà, donc là on a fini de gonfler les flot tubes et puis on va s'atteler, puis on va mettre tout ça en place et on y va. Ah oui, on y va, ça fait plaisir de pouvoir ressortir après la grosse chaleur. Ouais, il a fait trop chaud. En tout cas, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Et bienvenue. Aujourd'hui, voilà, pêche de silure, surtout pêche tout court. Hein. On va pêcher, on va prendre du bon temps comme d'habitude. C'est ça, donc du coup on a sorti les flot tubes. N'hésitez pas à laisser le gros pouce bleu avant que la vidéo commence pour nous faire plaisir, mais aussi pour nous récompenser. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, c'est un moment. Merci du fond du cœur, vraiment. Vous aussi commenter, on adore regarder. Ouais, n'hésitez pas à commenter. Parce que les commentaires, en plus, ça va faire monter l'algorithme. Donc, tu vois, c'est grâce à ça, plus tu vas commenter, plus tu vas faire des likes que YouTube va nous partager. Tu vois, mais fais-le. Oui, faites-nous exploser ça. Fait toujours plaisir. Voilà, dédicace à tous les tipeurs qui ont participé, voilà, enfin, qui participent au projet Road to Trip. Donc, du coup, là, voilà, ça sera normalement le dernier tournage, sur le Tarn, sur le département du Tarn, puisque là, quand tu verras cette vidéo, normalement, peut-être que, je ne sais pas, on sera sur la route en préparation. Mais voilà, le road trip est en train de s'effectuer, donc du coup, on va pouvoir vous rencontrer un petit peu partout dans la France. Et encore merci, donc tous les tipeurs, c'est grâce à vous tous, à ceux qui ont déjà fait des dons et à ceux qui feront les dons. Voilà, c'est vraiment pour tout ce qui est projet road trip, vraiment, ça va nous aider énormément à vous proposer plus de contenu à la rencontre, pourquoi pas d'autres youtubeurs pêcheurs. Et notamment là, dans pas longtemps, d'ailleurs, on va aller sur Toulouse, puisqu'il y aura une grosse rencontre avec un autre youtubeur. Bon, bref, on le dira en temps voulu. En tout cas, si tu veux nous aider pour le road trip, qu'est-ce qu'ils font? Sur Tipeee. Voilà, tu vas sur Tipeee, lien dans la description, puis tu cliques sur le lien et ça te basculera directement sur Tipeee, tu fais ce que tu veux. Il y a une contrepartie pour certains, il y a les t-shirts qui sont gratuits, on mettra aussi en place peut-être des casquettes Road to Fish, enfin, il y aura pas mal de choses. Donc, bref, en tout cas, merci. Nous, allez, on va se préparer, on va montrer un petit peu où est-ce qu'on pêche. Bonne vidéo à tous. Voilà, bonne vidéo à tous et puis de toute façon, là, on se rejoint, là, on repart de suite, t'inquiète pas. Allez, c'est parti, let's go! Bon, est-ce que tu as déjà vu un release de mouches? Parce que j'avais laissé les asticots, tu vois, un petit peu trop longtemps dans la boîte et un petit peu trop à l'extérieur de la fraîcheur. Bon, bref, de toute façon, ils sont transformés en mouches. Cette boîte-là, eh ben, j'ai entendu des petits bruits. Je sais pas si tu vas entendre. Donc voilà, c'est des mouches. Donc on va faire un release parce que j'ai acheté d'autres asticots et il faut forcément que je les mette dans cette boîte-là. Allez, tiens, tu veux le faire, hein? Ah non, pas. Allez, parce que je pourrais pas filmer et truquer. Oh là là, je vais manger des mouches. Allez, madame va nous faire le release. Hein. Allez. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Ah, c'est dégueulasse. Oh mon dieu, regardez. Elle aurait peut-être pas dû faire ça en fait. Ah, il y en a partout là. Ah. Mais mets pas la boîte dans l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Mais merde, tu veux que je fasse comment là? Oh la gueule. Ah, ça me dégoûte, j'en ai partout. Ça va moucher là. Ah. Allez. Mais c'est rien. C'est un petit qui rentre, pauvre. Ah, je vais vomir. Bon, en fait, c'est un release. Regardez, ça fourmille les gars là. Ah, ça me dégoûte. C'est rien, c'est que des mouches à merde. Et ouais, tu vois, tout ce qui est tripe de poulet qui pue la mort, les mouches, c'est pas moi qui le fais. Et ouais, j'avais oublié, qu'est-ce que tu fais? C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Hein. Ah, je crois que je me suis fait gober. Ouais. Comme l'eau est claire, tu vois, je m'approche pas. Et là, si coup, comme c'est vachement blanc, il a disparu. Je pense que ça va être du petit chub, je pense pas que ce soit du gros. Coca, c'est pas. Ah, ça a pris. On l'a vu, là, c'était un petit. Hein. Petit chub, oh mini chub. Ça, c'est le mini chemini. Hop là. Double cabriole. Bon, nous voilà. On a validé un joli petit chevenne. Allez, deuxième fiche,
Ah, un peu plus joli que l'autre celui-là. Ah, il tremble. Grrr. T'as là, tremble là. Bon allez, deuxième validé. Donc là je vais essayer un peu au-dessus de la chaussée là, vu qu'il n'y a pas de courant. Potentiellement il peut y avoir du gros chab qui soit là. Souvent ça arrive. Ah mais il y a un mec qui nage carrément quoi. J'ai un mec qui arrive en crawl les gars. Ah il est plus joli celui-là. Petit, laisse tomber. Ouais, tout petit. Moment qu'on est parti là-bas. Ah, je m'en doutais, la cascade là-bas, c'est peut-être une eau fraîche. Aïe! Oh, furoc celui-là. Les algues, c'était stanké. Non, c'est bon. Oh, gros chub là. Ah, c'est quoi encore hein. Bon, Johanna nous a fait des siennes encore, mais alors là, vraiment une grosse. Hein. Elle a carrément fait tomber la canne à pêche à silure au fond de l'eau. Elle a attrapé le cheval, elle a fait tomber sa canne qui était juste derrière son flotube au fond de l'eau. Et regardez, franchement, il n'a qu'on de la chance. Hein. Franchement, il n'a qu'on de la chance. Hein. Elle vient de récupérer sa canne à pêche. Voilà. T'as vraiment de la chance, mais franchement, il faut sécuriser tes cannes à pêche. D'ailleurs, les potes, c'est valable pour vous tous. Hein. Si vous mettez vos cannes à pêche derrière ou quoi que ce soit, mettez un lien de vie, une corde, n'importe quoi que ce soit, rattaché à un bacan, rattaché à une boucle ou n'importe quoi. Faites très attention, elle est en flotube. La moindre chose qui tombe dans l'eau, c'est fini. Ah, mais faut le faire. Hein. Vraiment, faut le faire. Vous avez vu ? Toujours des trucs, je t'ai dit, reste sur ton fiche, notification, mets-la parce que tu vois, elle arrive toujours des trucs. Regarde. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que j'en fais ? Oh là là. Allez, va, continue. Bon, mais je sais pas ce que t'en penses. Le cheval était quand même pas mal. Il n'y a pas eu des énormes. Hein. Mais voilà, donc du coup, t'as vu sur les mûriers, par contre, il y avait du gros là. Je me suis chié, j'en ai tanké un et j'ai ruiné la zone, tu vois. J'ai défoncé la zone. Hein. Madame va faire le marché. Voilà, elle va récupérer des murs. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas, c'est le bon moment. Tu les manges ou tu les ramasses ? Non, tu les bouffes pas du tout, ouais. Ouvre ta bouche. Ouais, c'est ça, on t'a vu. Hein. C'est pour les chevaux, ça. Oh, allez, go. Bon, moi j'ai fini le cheval et on va se diriger vers une fosse et on va peut-être regarder un petit peu au silure ce que ça va donner. Et on se retrouve dans après cette zone là-bas. On va manger ? Ah, on va manger. Ben, on va manger. Qu'est-ce qu'elle a bouffé là ? Ce pâté en poivre là, mais il faut avoir des dents de dinosaure. Ah, meilleur moment de la pêche, c'est bon. Bon, voilà, on a placé les vifs sur les lignes et du coup là on est dans la fosse. Et donc je dis pas qu'il faut pêcher la fosse forcément, hein. Si vous avez des coins où il y a moins d'eau, pêchez-le aussi. Hein. Croisez les doigts derrière ton écran. T'as intérêt à croiser les doigts, poteau. Fortement, il y a moyen de sortir un joli poisson. Donc, on va clonquer tout ça, mais très légèrement. Vraiment, on va pas essayer de leur faire peur parce qu'ici c'est une zone qui est surpêchée. Let's go! Sans cloquer, on va voir si on déclenche du poisson. On voit que le vif il travaille bien là, l'eau est oxygénée, elle est fraîche. C'est un big, on le voit à l'écho. Je savais que je vais faire monter un gros là, il a pas pris. C'était marron foncé, c'est monté direct, je voulais filmer et j'ai pas eu le temps. Ah oh, dommage, attends, je crois qu'il remonte mais je suis pas sûr. Oh là, on le voit à l'écho. Ah là, si, ça remonte. C'est marron foncé de ouf. Il est là. Il est dessus, c'est marron foncé. Oh refus. Marron foncé comme le sol, il est dessus.
Prends-le, bordel, allez, allez, prends-le. Il est dessus, il est dessus. Oh, il est marron foncé de ouf. Refus. Il remonte, il remonte, il remonte en flèche. En flèche, ça y est. Oh, l'attaque qu'il a mis. Fouh. Il m'arrache le vif. Non. Oh là là. Mais non. Ah, je suis sûr, il bouge plus mon vif. Et là, il a mis une grosse attaque. Oh là là, blasé les potes. Je sais pas si vous... on a pu filmer parce que ma GoPro s'est arrêtée. Elle a eu un problème. Oh là là. On était vraiment en bordure, à la full bordure sous un arbre. Là, j'ai vu que c'était monté marron. En fait, je voulais filmer avec le téléphone. Et j'ai dit, c'est bizarre, là, le sol est monté marron foncé. Et si tu veux, je connaissais la zone. Enfin, on y est depuis quelques minutes là. C'est pas possible, tu vois. Et là, bam, bam, c'est monté, attaque, re-attaque. Et puis c'est re-remonté. Et au dernier instant, j'ai eu un gros coup, mais vraiment, un truc hyper lourd. Et il m'a arraché le vif. Donc voilà, je vous montre la zone. Où est-ce que j'ai tapé? J'ai tapé ici, ouais. Vous voyez, par rapport à la bordure, on est vraiment en bordure. Donc voilà. Bon, mais c'est pas grave, allez, on continue. Pauvre. C'est Johanna qui l'a eu, c'est Johanna qui l'a eu les potes. Viens là, vers moi. Il est tanké, non? Déroule, desserre un peu ton frein et palme toutes tes forces vers moi là. Tu t'en fous de lui là, palme. Faut que ton frein déroule, mais non, mais je crois qu'il est tanké. Ah putain, elle a une cartouche énorme, j'ai pas pu la filmer les gars. Je crois qu'il est tanké, ouais. Oh merde, c'est fini. Attends, j'arrive, je vais l'aider parce qu'elle peut pas. Tanké. Même elle a dit de m'attaquer, j'ai essayé, mais c'est fini là. Chier quoi! Oh, je suis deg! J'ai pas vu arriver! Oh le con, il m'a surpris! J'ai rien compris! Oh mon dieu! Oh, j'ai rien compris! Il m'a mis une cartouche! Oh, il était gros! J'en tremblais tout! Oh! Je suis morte! Deg! Non, pas moi! Ouais, pour une fois, je suis deg. En fait, elle a eu la touche instantanément, j'ai pas pu filmer, c'est le même, je pense, à tous les coups. La canne, c'est la Caperlan, elle s'est pliée en U, mais quand je dis en U, c'est en U, quoi. Et au fond, bah, apparemment, il y a une grosse branche, il s'est tanké direct et c'est fini. Hein. Là, je pense qu'il n'y est plus. Bon, bah, allez, on continue les potes, hein. Dommage. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Donc c'est là, la fin de la vidéo. On dégonfle les flottes tubes, ça va sécher. Ouais, et... vite fait parce qu'il n'y a plus de soleil voilà. Depuis un moment. En tout cas, on a raté gros poisson. Je pense que c'était le même poisson qu'on a touché tous les deux. Donc voilà, elle a carrément alors, tanké là. Rappelez-moi qu'il ne faut pas sortir à un 13. Alors, là. On récapitule les potes. Canne à pêche à l'eau. Allô, plouf, plouf. Ensuite, alors, quoi je la repêche. Tanké le poisson après. Tanké le gros poisson. Hein, ensuite, accident du et travail. Après, accident de femme. Hein, j'ai pas prévu que j'allais avoir mes trucs et j'ai eu mes trucs. Déjà, on a touché un gros poisson. Ça a fait plaisir, tu vois. Ensuite, j'ai eu quelques touches aussi vers la fin. De poissons pas forcément plus gros mais voilà ouais, aussi mais gros je voilà. Suis quand même trop dégoûté d'avoir raté l'autre en tout cas nuit, on espère que cette vidéo vous a fait plaisir comme d'habitude ouais, bien sûr, ça leur a fait plaisir. C'est le cas tu mets quoi tu mets le pouce bleu t'as mais intérêt. Aussi tu peux commenter tu peux aussi nous suivre sur Facebook Instagram voilà TikTok, Facebook Instagram il y en a beaucoup qui nous demandent où est-ce qu'on peut nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook tu tapes Retoufiche Instagram et Retoufiche aussi et TikTok parce qu'on met beaucoup de vidéos et d'ailleurs on a besoin de vous tous pour TikTok parce que on frôle enfin on vise les 10 000 abonnés on n'est pas très très loin on est enfin pas très loin on est à la moitié je crois c'est déjà pas mal et on fait voilà pas mal de vues bref allez nous on vous laisse on va manger ultra faim fatigué et on vous dit à une prochaine vidéo les potes portez-vous bien prenez soin de vous de votre famille tout votre entourage de votre famille de vos poissons aussi voilà prenez soin de vos poissons tu te prends pas la tête à la pêche ni dans ta vie pêche simple, fait à l'instinct, regarde ta rivière, exactement. Écoute ta rivière, regarde les vidéos de Retoufiche ou faire du fiche. Non, je rigole même. Allez, bon appétit, on vous laisse chez les potes, ciao. Et la prochaine fois, tu mettras pas un short blanc. Ah ouais, non, c'est clair, mais ça arrive qu'à moi.